Bonsoir à tous. Excusez, Monsieur Brassard, Madame Despinois, Monsieur et Madame Régnier, Monsieur et Madame Tellier. Également, avant de laisser la parole à notre conférencier, je vous rappelle que nous sommes en préparation d'une exposition et que de faire de la réclame, parce que c'est la troisième fois cette semaine, troisième fois, qu'on me dit, mais il y a un musée, il y a quelque chose en histoire à Niche, c'est formidable, c'est inconnu. Donc faites de la réclame et dites-leur qu'effectivement, il y a quand même des choses qu'on peut voir. Dites-leur que tous les lundis, nous sommes là prêts à les accueillir. Eh bien, ce soir, chanson française. Je vais m'arrêter. Parce qu'il est inutile de présenter Roger, le conférencier. C'est lui. Je vous assure qu'il a gargarisé avant de venir. Très sérieusement. Il s'est nettoyé toutes les cordes vocales et vous pourrez apprécier tout simplement son discours, mais également ce qui va aller avec le discours. Les volontaires qui veulent chanter, on n'en donne pas ceux qui veulent chanter. Voilà. Alors, levez le doigt les volontaires. On écoutera, hein. Voilà. Bien. Bon, voilà, tout le monde est servi ou pas? Qui en veut encore? Qui en veut encore demander? C'est gratuit, hein? Finis, papillon, vous discutez pas. Vous discutez pas, vous discutez. Bien, merci à tous. Mes bien chers soeurs, mes bien chers frères, comme vous dit écoutez. Si on dit mes amis. Alors cette communication va être divisée en trois périodes. La période rose qui va du 2 septembre 39 au 10 mai 40. La période noire, celle vraiment de l'occupation de juin 40 au 6 juin 44, le débarquement. Et ensuite, du mois d'août 44 au mois de septembre 45. Toutes les chansons qui sont répertoriées, nous ne prendrons que un couplet, un refrain, quelques bribes, mais on ne va pas tout chanter. J'en ai répertorié 40, on sera encore là demain matin, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Alors, donc en France, nous voici réunis, après 20 ans d'absence, tu vas les voir ici, de vieilles connaissances. Toute la France dit bonjour, chérie, et bonne chance. Ah ben ça va, mais sur les cuisses de ma voisine, parce que là j'ai mal aux miennes, c'est pas pratique. Alors le Norman Swan. De Londres cet hiver, nous arrive un nouvel air qui vous emporte et vous transporte, vous mettant la tête à l'envers. Ce n'est pas compliqué, je m'en vais vous l'expliquer. Attention, commençons la leçon. Ça se danse simplement. D'abord on marche un moment, puis brusquement, on pousse un cri perçant. Oui, voilà, ça va, on commence parce que... Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le caporal était dans l'assurance, le lieutenant était dans l'épicerie,
Le juteux était banquier de la Banque de France. Le sergent était boulanger, pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des gosses qui ont certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout ce que jadis leurs pères ont fait tous pour leur fils. Ah, c'est bien qu'en 14, ils ont dit, ils n'ont plus jamais ça, la preuve en commun, c'est pas ça. Ouais. Pour concours qui part le matin au quart de tour, c'est un mou. J'ai diminué de 100% mes prêts, je n'use que de l'essence de jarret. C'est vrai, j'en ai vu d'autres et des types de moi, devancer devant moi. Je suis parti l'autre jour de plus tôt. En vélo. J'ai vu des petits, des grands, des minces, des gros. En vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô. En vélo. Avec l'œil vif et 2 furoncles dans le dos. En vélo. Alors là, le parolier, il est un peu vache, parce que j'aurais pas écrit ça. Il dit qu'il y a 2 furoncles dans le dos. Alors, au fait, c'est plus beau. Hein. C'est pour la rime. Alors, il fallait se coucher à 9h parce qu'il y a eu des couvre-feux. On avait avancé, l'heure était avancée, on était complètement décalé. Hein, maintenant, de 10h, ben là, c'était la même chose. Et ça, c'était ces types de situations que nous avons connues à ce moment-là. Mais c'est toujours la même chose. Ça, c'est un peu... à Paris, ben, ils essaient de survivre, ils essaient de vivre quand même. Il y a tout de même une vie parisienne. Mais ceux qui sont en province, ben, eux, ils pensent à qui? Ben, leurs prisonniers. Et alors là, on arrive au numéro, je ne sais plus combien. 15. Eh bien, vous suivez. Pour un bon point. Un bon point. Alors, il y avait des colis. Ah, les colis des prisonniers. Ils étaient ainsi chaque soir à la même heure. Je redis pour toi cette chanson. Mais seul dans la nuit, le froid qui pleure m'écoute et me répond. Toi qui souffres aussi de mon absence. Que ne puis-je au moins te consoler? En vain, je pense dans le silence pour mieux t'aimer. Loin de toi, partout chérie, c'est toi que nous revois un jour. Allez, au long des nuits, des jours. Loin de toi, j'entends encore ta voix comme un refrain d'amour. Qui berce mon cœur lourd, mon espoir, mon désir, c'est de pouvoir par un beau soir te retenir. Loin de toi, partout chérie, c'est toi que je revois toujours. Oh toi, mon seul amour. Ah oui, il y en a une que vous connaissez aussi, une toute en cadence, ça vaut toutes les récitations, la grammaire et l'histoire de France. On ne sait plus si Richelieu était fabricant de sandales, mais on sait alors beaucoup mieux faire le swingal à la commune. Philippe Auguste et Pythagore ont-ils connu le trafic d'or? Jeanne Hachette, Richard le Noir, du connu le marché noir. On s'entamponne les amygdales dans les lycées, dans les pensions. Ça fait le goût de la communale. On fait le swing, 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 le swing à la récréation. C'était ça, le swing. Alors, vous avez vu les paroles? Je m'entamponne les amygdales. Qui m'ont déplacé, tout que dans ma chambre y pénètre, notre chambre ou même le passé. Je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma voix s'achève. Tout se brise en mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour.
gros souci. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu nous réclamer au petit jazz quand on faisait des soirées? Fallait bien chanter 3-4 fois sur la soirée, hein. C'est vraiment. Mais alors, il y a une... Ils sont perdus l'ingénieur du son ici. Détroit. Détroit. Aussi bien. Alors, il y a une nouvelle race qui a commencé. On a parlé du swing. Mais le swing a dérivé sur une race de snob qu'on appelle les zazous. Les zazous. Quelle race avec les zazous? Oh. Alors, les zazous, ils avaient baptisé Pétain, là, non. Le connétable du déclin. Ah, vous avez trouvé, hein. Il y a eu tous des trucs comme ça, je vous dis. Alors. Ça va, on est. Parfait, c'est bien fait. Alors ce soir, en chantant comme ça, zim la boum la la, c'est notre espoir. C'est une forme de dopage, hein, de s'entretenir le moral comme ça. Et puis il n'y a pas que ça, parce que la radio, elle est remise en route. Ah oui! Ah ben alors là, on en chante une belle, hein. Vous la connaissez aussi celle-là? Et hop, on s'en sortira, on s'en tirera, comme toujours en France. Ça revient doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons démanger l'espérance. Et hop, on s'en sortira, tout se marchera, à brève échéance. Il y aura du bonheur et le printemps reviendra. Et hop, on en sortira. Mais hier, 42, on pensait de s'en sortir, hein, ça c'est vrai, ça. Ah! Alors là, j'ai pensé... Ah, c'est pas que ça coûtait cher, mais c'est rare, hein, du coup. Ça coûte cher, du coup. Alors, vous, je vous êtes, je sais pas où, là... 21, vous trompez pas. Alors, je chante le premier couplet, et après, on finit avec ça, hein. Tap, 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 10 le matin, les petits souliers de sapin. Tap, 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 je... tap, 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 10 le matin, les petits souliers de sapin. Tap, 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 le bouton des choses. Oh, tu l'as pensé, le joyeux. Faites des lunettes. Ah. Allez, donc, oui. Ça va, comment? Tap, 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 10 le matin, les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut t'éveiller, te lever, travailler. En marchant les midinettes semblent faire des claquettes. C'est tout le mot, on entend ce bruit si éloquent. Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo. C'est de l'euphorie que la musique vous met dans la peau. J'aime le tam tam des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap 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 pour le matin, les petits souliers de sapin. C'est le rythme parigo du sourire en sabot. Quel charme en vacarme pour ces milliers de petits souliers. Les femmes ont du charme maintenant jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap tap des semaines d'angoisse. Ça me rend gai, ça me rend tout, je sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur, comme une chanson. Voilà. Alors, à l'époque, alors, hein, avec de l'or, vous aviez de l'or, vous, des piquets. Vous voyez, pensez pas tout, hein, c'est normalement aujourd'hui, hein. Ah, alors là, et bien le tabac. Il fallait le chercher, mais il fallait voir qui en avait pour le solliciter ou lui demander si vous voulez bien vous filer une cigarette ou un peu de tabac. Et alors là, ça se passe chez un commissaire priseur. À poil, à l'immilieu, 25 000 francs les deux. Personne ne dit mieux. Adjugé, monsieur. À moi, mais j'ai rien dit. Vous dites que j'ai souri. Oh, monsieur le commissaire priseur, c'est sûrement une erreur. C'est à vous que j'ai souri, mais vous avez mal compris mon regard. Si gentil, vous êtes imaginé que je voulais vous fasciner ou bien vous emmener. Si je vous ai souri, c'est que de votre pochette, je voyais dépasser un paquet de cigarettes. Vous n'avez pas jamais compris, si vous aviez me compris pourquoi je vous ai souri. Voilà, vous voyez,
hasard. En débarquant par le train de banlieue, elle passe à l'octroi sans crier gare, fixant l'employé droit dans les yeux. Mais une fois chez elle, pas mes enfants, qu'est-ce qu'elle sortit comme ravitaillement? Elle avait tout ça dans son petit sac à main. Elle n'avait pas foyer, elle n'avait pas fouillé cet accessoire féminin. Et il ne se doutait pas qu'elle avait dans un coin 2 kilos de jambon, 4 saucissons et 6 mètres de boudin. T'as vu ça? Et dans une petite pochette, au lieu d'un parfum coulant, elle avait mis en cachette un demi camembert bien coulant. Elle avait aussi une douzaine d'œufs. Et comme ils étaient un peu vieux, elle retrouve assez curieux une douzaine à la place des œufs, une douzaine de poussins. Tout ça, elle met tout ça à la sortie sac à main. Voilà l'équipe de France. Et dans ce coin-là que le soir, on s'attendait rempli d'espoir. Tous deux, Lily Marlène, tous deux, Lily Marlène. Cette tendre histoire de nos chers patients chante dans ma mémoire malgré les jours, les temps. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lily, Lily Marlène, Lily. Partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Sortez de la paille, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tirez vite. Et saboteur, attention à ton wagon dynamite. Et hey. Pas dans les prêts du côté de nos gens. Hein? Et alors, on les a répartis, les prisonniers, dit maintenant, il faut regagner vos foyers. Et ils retournent là où ils avaient abandonné leur famille. Pour certains, ils avaient été mobilisés en 35-36, on était en 45. Ça faisait plus de 10 ans. Qu'il était parti et qu'il était... Je reviendrai de toi. Je t'avais dit, je reviendrai. Je t'avais dit, je t'attendrai. J'étais parti, encore enfant. Je suis revenu. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu, plus jamais ne revient. Un inconnu dans un état. Eh oui, c'est un peu de nostalgie. Et en 45, quelle est la chanson? Il fait un tabac. Et qu'on chante encore? Ah non, c'est pas celle-là. Non, on chante dans ah non, ça c'est une chanson. Non, mais je parle des chansons qui ont été créées à l'époque, comme le petit Vavlor qu'on entend toujours. Et puis l'autre, celle-là. Il faut que je la retrouve, hein, parce que... Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrot, il y a le... Grand magasin, atelier de repas, restaurant pour Ulpar, il y a le... Là, c'est le chanteur du quartier qui prédonne les succès du jour. Le même des poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, tout l'on ne fait que passer, il y a le... Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Figaro. Et là, j'ai un scoop là-dessus, mais je peux pas le dire. Comme tralala, voilà ce qu'on chante chez moi. On chante dans mon quartier le jour tout entier de vagues romances. On chante dès le matin, quand un air s'éteint, un autre commence sur un air de valse lente. Ou des refrains plus légers, partout, des caves au grenier, tous les jours on chante dans mon quartier. Plou plou, tralala, voilà ce qu'on chante, voilà ce qu'on chante. Plou plou, tralala, voilà ce qu'on chante. Et dans les délais, comme toujours on a dit, on explique, dans les délais, on essaie de tenir 2 heures. J'ai un peu abrégé, heureusement, oui. Mais je vous remercie d'avoir participé. Oui. Je ne peux pas savoir si ça me fait du bien. Oui.
quand même pour vous demander de reprendre de Ploum-Ploum, hein, oh, parce que ça, ça a été Ploum-Ploum, chanson, c'est bien Ploum. Et le jour tout entier de vagues romances, on chante dès le matin, quand un air s'éteint, un autre commence, sur un air de valse lente, ou des refrains plus légers, partout. Des carreaux tous les jours on chante dans mon quartier. Ploum ploum, tra-la-la, voilà ce qu'on chante, voilà ce qu'on chante. Ploum ploum, tra-la-la. Je vous demande encore d'applaudir très fortement notre...